Alors les gens, la première vidéo sur Silent Hill Origins vous a plu? Ah bah c'est parti, on va continuer. Précédemment, on avait sauvé une fille d'un incendie avec Travis Gladubide, hein, le camionneur qui allait à Brahms pour une livraison. Oh putain, le truc qui grésille. Ça pue toujours. Et là maintenant on va à l'hôpital pour prendre des nouvelles de la fille après s'être réveillée. Et il y a du brouillard partout et les... Il y a tout qui est bloqué, c'est chelou. En construction. Le second et troisième étage de l'hôpital sont en cours de rénovation. Ils sont fermés aux patients et aux visiteurs. Le travail se poursuit à Excel et la direction de l'hôpital vous remercie de votre coopération pour essayer de minimiser les dérangements. Nous estimons que les travaux seront achevés dans 6 mois. Ok. La restructuration du troisième étage doublera les capacités d'accueil des patients dans un environnement plus propre et plus moderne. Ici, à Le Chemila, la qualité des soins que nous prodiguons à nos patients est la plus haute importance. Docteur Philippe, président du conseil de la Chemina. Alors, faut savoir que l'Alchemina Hospital, c'est l'hôpital général de la ville. Hein. Y a aussi l'hôpital Brookhaven. Alors, ça, c'est la carte de la Chemina. Il y a aussi l'hôpital Brookhaven, qui se trouve celui-là dans Soudval, ça veut dire au sud du lac, et qui est un hôpital psychiatrique. Et on verra qu'il y a aussi un autre truc... dans la partie sud-est qu'on découvrira dans Donpour. Dans Silent Hill Donpour. Alors là, la carte sera à peu près pareille dans le premier Silent Hill. Ouais, à peu près pareil, sauf ici. La petite allée que vous voyez là, elle disparaîtra. Il y aura des pièces à la place dans le premier Silent Hill, mais sinon le reste... Voilà, ça change pas trop. Voilà. Alors... On a le second étage, on a le premier étage, voilà. Alors je crois pas qu'on a accès à tous les étages, contrairement au premier Silent Hill, je sais plus. Il y a quelques magazines, oh je peux m'installer sur le fauteuil en attendant qu'on prenne. Alors on peut pas accéder là. Non. Ah, et là le premier point de sauvegarde. Les points de sauvegarde c'est toujours des trucs rouges, en général. À part dans le tout premier où c'était des carnets. Là, mais là, c'est le petit symbole, le fleuros. En version rouge, voilà. Dans le 2, c'était des carrés rouges, des espèces de post-it rouges. Dans le 3, c'était le symbole Megatron qu'on a vu, là, Metatron. qu'on a vu dans la précédente vidéo. Celui où il y avait le corps de la fille brûlée. Dans le 4... C'était le truc d'Henri. Dans le 5, c'est à nouveau un symbole de Métatron, mais plus simplifié. Dans le 5, je vous le dis déjà, parce que ça se trouve, on ne verra pas. Et Donpour, je sais plus, je crois pas qu'il... non, je crois que c'était en sauvegarde automatique dans Donpour. Ce qui est dommage. Au moins, dans Resident Evil 7, il y aura... à nouveau les sauvegardes, j'ai vu. Ah, c'est cool. C'est vraiment sympa. Ah, par contre, la sauvegarde prend du temps. Hein. Sauvegarde en cours. Ah putain, dans les autres, c'était moins long. Oh, j'espère que ça n'a pas frisé, hein, sinon je pèterai un câble. Si ça frise dès que j'essaye de sauvegarder, tu vois, c'est le jeu, il faut que je fasse sans sauvegarder. Ah, c'est bon. Ça va pas m'encourager à sauvegarder souvent, hein. Les longs temps de chargement. Ah, c'est verrouillé. Ok. Normalement, je pense qu'on pourra déverrouiller si c'est juste verrouillé, sinon c'est la serrure est cassée. Hein. Alors, ici, c'était là où on rencontrait le docteur machin dans Michael Kaufman, dans le premier Silent Hill. Mais est-ce qu'on va le revoir dans celui-là? Je vous dis comme si vous connaissiez le premier Silent Hill, mais si ça se trouve, voilà, vous connaissez pas. Le verrou est cassé, voilà, déjà par là, je sais que je pourrais pas y aller. Parce que le verrou est cassé. Ah, ça semble coincé en général, ça aussi, hein. C'est verrouillé de l'autre côté. Ouh, ça... ouais, ça veut dire qu'on pourra accéder par l'autre côté. Oh yeah, allez, on continue. Continue notre fouille. Ah, le verrou est cassé. Il y a tout qui est cassé, putain, dans ce truc de fou. Je peux pas partir tant que je sais pas ce qui arrive avec cette file. Mon dieu. C'est verrouillé. Quelque chose bloque la porte. Putain, mais c'est quoi cet hôpital? Et putain, c'est qui a pété les fenêtres, là? Putain, il y a des vandales, là. J'ai l'impression de me croire. You, doctor. Can I help you? Anneli. That fire last night.
The girl who was burned, is she here? A girl? We've received no new patients in the last day or so. Was she hurt? She was burned all over. Are you a relative? What did you say her name was? I don't know her name. I was the one who saved her from the fire. She must have been brought here. Is there another hospital? I'm sorry. Perhaps someone in reception can help you. I have urgent business to attend. Mais y'avait personne à l'accueil! Fumier! J'espère que le son est assez fort, hein. Je verrai bien. Donc ça, c'est Michael Kaufman, justement. Bonjour. Ah l'enculé, il est allé au second. Je vais aller lui tabasser la gueule, hein, putain. Et c'est lui, hein, la racaille qui a tout pété, je m'en doute, hein. Bon, ben, je résume. Il y a tout qui est bloqué dans ce putain d'étage. Hein. Ah, on me cache des trucs, hein, c'est encore un coup du Majestic 12. Des Illuminati, des Templiers, il y a tout, hein. Un lit roulant sale, quelqu'un vient de partir? Vient-il partir? Et putain, à l'accueil, il n'y avait personne. Je suis allé. Allons au premier étage. Alors, qu'est-ce qu'on a au premier étage? C'était de là où j'étais. Putain, je suis con. Je suis pas allé au sous-sol. Non, je devine que non, c'est ça. Ah bah le troisième ça marche pas non plus. Allez au deuxième. Bon, ok, j'ai compris, hein. Et le quatrième étage qui était apparu mystérieusement. Non plus. Non. Ok. Ça a l'air sympa le coin. On va dire qu'il y a du travail de bâtiment à faire, l'endroit a besoin d'une nouvelle couche de peinture. Eh, moi je peux pas me battre avec mes poings, je suis plus badass, hein. Je suis très badass, putain. Vous avez vu, hein, niveau de badassitude. Je crois qu'ils ont été débranchés. Putain, c'est une conspiration. Hein. Je vais enquêter là-dessus. Parce que je suis Travis Gladubid. Bonjour. Vous avez vu Michael Kaufman? Je l'ai vu passer là. Oh putain! Mon dieu, mais elle a pété un plomb là, madame! Mais non, la masse c'est pour les tapettes. Moi je peux me la faire à main nue. Pam pam. Pam pam. Pam pam. Vas-y. Attends. Tiens. T'as vu? Ça, c'est le respect. À main nue. Bon, maintenant, je prends le marteau. Hein. Bon, ben, ici, c'est bloqué. Ça, j'ai vu. Hein. Comment on s'équipe? Ah, c'est comme ça. Bonjour, on n'a plus de menu, là. Oh putain, mais c'est quoi cette musique? Il y a quelque chose qui bloque la porte, je peux pas ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a là? Putain, je me fais agresser par les infirmières. Le docteur que j'ai croisé, c'est un connard. Putain, ça pue. La meuble à médicaments, plein de produits que je connais pas. Je vais commettre un massacre ici, hein. Harry Mason va être jaloux. Des diagrammes médicaux, ils ne signifient rien pour moi. Eh, vas-y. Oh, une note. Un document. Diagnostic préliminaire. Non, moi, pas les préliminaires, hein. Brûlure au troisième degré. Le patient est inconscient. Quelque chose a empêché les liaisons de se propager aux organes internes. La liaison des tissus est limitée par à l'épiderme et à l'extrémité des membres. Comment cela est-il possible? Je sais pas. Y a rien derrière l'écran. Y a un miroir ici. Il est chelou. Le lit roulant est taché de sang. Une partie semble encore humide. Tout l'hôpital est contre moi. Un tas de brochures médicales. Maladie tropicale. Vitamines pour nourrissons, vaccins contre la grippe, ce genre de truc. Eh, vas-y. Yeah, c'est bizarre, il y a une drôle de déco de l'autre côté du miroir. Je vais voir ça. Quelque chose va pas avec le miroir, la réflexion n'est pas normale. Bon, bah, moi, je vais me casser, hein. Eh, n'empêche, par contre, j'ai pas d'inventaire ou... Ah, si, là. J'ai la lampe torche à clip, j'ai une radio de poche active. J'ai ma pièce pas de bonheur, j'examine.
J'ai cette pièce depuis que je suis gosse, quand mes parents sont morts. C'est un genre d'amulette porte-bonheur, il y a quelque chose gravé dedans, on dirait 61. Je pense que c'est pas important. C'est une radio. Pratique quand je décharge mon matériel. Les mélodies ont tendance à tenir l'ennui et le respect. Ouais, c'est génial. Voilà. Avec mon travail, je passe beaucoup de temps sur la route de New York. Quand quelque chose va pas, c'est bon d'avoir une chose d'attachée à sa veste. Oh, j'utilise. C'est un mélange d'herbes et de vitamines. Cette boisson est parfaite pour combattre les douleurs. Je sais pas si c'était bon d'utiliser là déjà. Une lourde masse, examinez. Une longue et lourde masse. Cette chose pourrait faire des dégâts. Putain. J'ai pas d'arme à feu, mais j'ai rien d'autre. Voilà, et les options. Les trucs, attends. Attends, mais il y a d'autres trucs. Comment on y accède? On n'y accède pas ou... Ah, voilà. On a la carte, on a les notes. Option. Sous-titres, la zoom carte. Dehors, dedans. Ok. Ouais, ok, putain, allez. On a des récompenses, on a des options supplémentaires. T'as fait quoi dehors? Attends, je vais voir. Ok. Alors. Attends. Ah putain, j'ai pas confirmé. Ok. Ouais. Non, je préfère quand même le zoom dedans. Ah, je suis désolé, mais j'aime le zoom dedans. Bon, ben voilà, c'est bon, j'ai fouillé. Je me suis un peu soigné. Parce que je me suis pris une mandale dans la gueule. Bon, par contre, il n'y a pas d'option de difficulté dans celui-là, c'est ça? Bon, ben moi, je me casse. Oh! What you mention? Mais c'est cette little girl! Je l'ai croisée, je m'en rappelle. Je crois que je vais me casser. Non, ça m'appelle, c'est trop fort pour moi. Ça va? Tu veux que je touche ta main? On m'avait dit de pas toucher de gosse! Je devais plus refaire ça. La dernière fois, ça m'a valu des problèmes. Je vois des choses qui sont mortes. Bon, en tout cas, donc, voilà un système dans le jeu, là. On pourra passer de l'autre monde au monde nord de brouillard grâce au miroir. Oui, contrairement aux autres Silent Hill où les transitions vers l'autre monde étaient scénarisées et tout, voilà. Hein, et pas contrôlées, ben là c'est l'inverse. Oh, j'ai un scalpel. Attends, il faut que j'examine. J'ai un scalpel, c'est important quoi. Un scalpel en acier inox. Un scalpel chirurgien très court, mais incroyablement tranchant. Je vais m'équiper. Je vais trancher là, et vas-y, je vais te suriner. Ça va me rappeler mes temps en prison. J'ai des poumons en plastique. Je sais pas à quoi ça va me servir. Examinons ça. Objet. Poumon en plastique. Un modèle de poumon. Cet organe en plastique est la réplique d'un poumon humain. Je sais pas qu'est-ce que c'est que le bordel. Mais j'aime pas. Et une boisson de santé, cette fois-ci je vais éviter de trop en utiliser. Hein. Alors, est-ce que je tabasse toutes les infirmières que je croise? Oh putain. Ouais, je vais fouiller un peu l'étage là-bas. Quelque chose bloque. Je peux pas ouvrir. Oh putain. Bon, ça y est, m'a agressé, je vais la queuter, hein? 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 Voilà, tu mérites. Hein? Je te surine avec mon schlasse. Ça, c'est fait, je vais essayer le marteau. Comme ça, tout le monde est content. Personne ne pourra me dire, hey, t'as pas essayé ça, Travis, t'es un gros con, je te fils de pute. Bon, bah déjà, si tu me fils de pute, hein, tu vas te faire foutre. Putain, mais il y a tout qui est coincé, hein.
Mais putain, c'est quoi ce jeu? J'en ai marre. Mais putain. Alors je résume, il y a tout qui est bloqué. Je peux même pas aller aux chiottes. Chiottes. Shoot. Ah non, ça c'est l'étage, c'est pour changer l'étage. Non, je continue à fouiller l'étage. Hein. N'empêche ces infirmières. Hein. Cet hôpital veut ma mort. Hein. Maudit hôpital. Bon. Ah, une pièce ouverte. Ou bleue. Je sais pas. Je veux pas le savoir en fait. Il y a des trucs par terre, je sais pas ce que c'est. J'aime pas. Un œuf doré? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, des parties et notes sont obscures. Pas de soucis à se faire. Voilà, j'ai utilisé le Schplubelutsch pour contenir son pouvoir. Personne ne viendra l'aider. Un D5. Cachez-les, protégez-les. Ok. C'était chelou, hein. Bon, je suis où en fait, là? Je suis dans, okay, dans une chambre, l'hôpital. Ok. Et il est où le lit? Y'a pas des lits? Ma radio grésille. C'est pas bon signe ça. Putain, y'a quelqu'un qui rigole. J'aime pas quand on rigole. Ah bah là y'a un lit. Ce cœur me trouble avec son tremblement pour le camé. J'ai mis de la glace et je l'ai verrouillé. Rappelez-vous, les trois beautés qui le font battre sont la clé. L'âge avant la beauté. Oh putain, une énigme, j'ai pas signé pour ça, merde. Une glacière médicale avec un verrou, regardez. Je suis sûr que c'est 61, c'est le truc que j'avais. Non, c'est pas ça en fait. Aucune idée alors. On reviendra plus tard. C'est quoi le truc que j'ai là, l'œuf doré? Un œuf doré ornementé. Ouais, bah je vais examiner. Chaud au toucher, cet œuf est plus grand que celui d'une poule et a un brillant huilé. Putain, c'est quoi ce truc chelou? Je suis enceint, c'est ça? Je suis enceint d'une poule. Ça veut rien dire. Faut que je fasse gaffe avec ce que je nique. Ah, j'ai une télé. Qu'est-ce que je prends? Une télévision portable. J'ai une lourde masse. Une télévision portable, examinée. Une télévision portable lourde, passée par prise de courant. Attends, ça me donne une idée. Je crois qu'il y a un ennemi là. Oh, il y a une salope. Attends. Je vais la frapper. Eh ben putain, nickel. Du premier coup. Ça va ma santé? Ouais, ça va. Hein? Bon, je me reprends le marteau. Non, le marteau, je l'équipe. Bon bah maintenant on va passer par là. Putain! Hôpital de merde quoi! J'avais pas signé pour ça, je vous l'ai dit. Je peux pas aller en bas? Ok, je peux pas aller plus bas, ok. On va prendre la porte hein, vu que la caméra cible la porte. Ah ça pue. Il y a un masque mortuaire sur la porte dessous, il y a une plaque sur laquelle on peut lire. Même les aveugles ont besoin de Dieu s'ils veulent regarder l'avenir. Putain, ça me rappelle le remake de Resident Evil. Pam. Pam, pam. Voilà. Hein? Tu dis quoi? Spam. Ouais, je préfère le scalpel. Hein. On va être honnête. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre là? J'ai une bouteille d'alcool, je peux le balancer aussi en pleine gueule ça ou... Ouais c'est ça, une bouteille d'alcool médicale. Voilà, médical, faites verrouiller et paix, elle est vide. Ok. Ah ouais, pourquoi pas, vas-y. Eh t'as vu ma grosse bouteille? Attends, j'ai une petite blague à faire là. Je pense que vous allez rigoler. Attends. Il y a une description ovale à la porte dessous, il y a une plaque sur on peut... Dans laquelle on peut lire, même dans cet enfer sorti des flammes, j'ai vu la vie renaître. Ah, je pense qu'il faut que je mette l'œuf ici.
Quelque chose bloque. Je peux pas ouvrir. C'est cassé. Ok. Je vais mettre l'œuf là. C'est drôle d'œuf là. Allez, vas-y. J'ai utilisé l'œuf doré. Bon, ça va amener où là? Je suis prêt à défoncer la gueule. Hein. Je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter aussi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le couvercle de la citerne est desserré. Ah, pour une fois qu'on peut aller dans des toilettes, hein. Parce que ça, depuis le premier Silent Hill, c'est plus possible, hein, dans le... Ah, dans le 2, si aussi, hein. Le couvercle de la citerne est desserré. Vous l'enlevez, oui? Qu'est-ce qui se passe? J'ai un foie en plastique. Je récupère de ces trucs, quand même. Je vais faire une collection, là. Ah là là, la réplique d'un foie humain. Moi, je dis, je vais me marrer. Y'a rien d'autre? Ok. Bon, ben... Y'a rien à voir, c'est juste des toilettes infectes. Ok. Pom-pom-pom. Ouais, je peux me téléporter dans l'autre monde. Ah là, c'est pour ça que c'était verrouillé de l'autre côté. Oh, j'ai une boisson de santé. On dirait pas qu'il y ait quelqu'un dedans. Je sais pas si je veux vérifier un peu, hein. J'ai une clé. La clé de la Staff Lounge. Ouais, la Staff Lounge. C'est marqué Scruff Lounge. Ah, c'est une clé de porte. Moi, je me fais pas chier dans les résumés. Quelqu'un écrit sur la porte, ça dit Amy 31. J'ai 61, j'ai 31. C'est un signe. Ou c'est un vous. Un tas de produits d'entretien, ce n'est pas quelqu'un sans beaucoup nettoyer par ici, hein. Eh putain, attends. Eh, je déverrouille. Allez, on va sauvegarder un petit coup et s'arrêter là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et la Staff Lounge, c'est où? Tout coup, juste pour savoir. C'est celle-là, ok. Je pensais que c'était l'examen, non. On se retrouve prochainement pour d'autres aventures. Et on se retrouve. Hey, salut la plus, les gens.